Donc, on va faire les tests énergétiques avec le patch de Mitsukim. On trouve les 25, un peu plus de 25 000 longueurs d'onde vibratoires de physique quantique, des infrarouges longs, et dont les sigles sont imprimés sous le nombre d'or, avec le nombre d'or. Donc, on va commencer par un test d'équilibre. Comme ceci, les mains. Le dos bien droit. Et je vais juste exercer une pression sur les mains. En appuyant sur les mains, tu peux le voir, tu as les talons qui se lèvent et tu pars en avant. Okay. Tu as les talons qui se lèvent. Oui, oui, oui. Tu perds l'équilibre. Maintenant, il suffit de poser le patch n'importe où sur le corps. Bon, là, je l'ai mis sur l'épaule, mais j'aurais pu le mettre ailleurs. Même position, toujours droit. Et là, je peux appuyer de toutes mes forces. Impossible de la déraciner. Tu sens que tu es en close-up. Oui, par contre, si je l'enlève, même position. Donc là, voilà, à peine que j'appuie, les talons se lèvent et tu perds l'équilibre. C'est un problème. Maintenant, tu es droitière ou gauchère? On va faire un test. On va associer un test d'équilibre avec un test de force. Droitière. Donc, ça te met à ma gauche. Ici. Voilà. Ça te prend ton bras droit comme ceci. Point serré. Et je vais exercer une pression sur le coude. Tu résistes à ma pression. Mets la force, tu mets le plus de force possible. Résiste. Ok. Maintenant, on va compliquer la chose. On va lever la jambe droite à mi-hauteur comme ceci. Là, déjà, tu as du mal à tenir. Mais à peine que j'appuie là, à peine que je touche. Maintenant, pareil, on remet le patch. Même position. Je relève la jambe droite. Voilà. Et là, je vais mettre toute la force. Là, je peux appuyer. Et tu bascules plus. Impressionnant. Même sur une jambe, c'est-à-dire qu'instantanément, tout le corps énergétique s'est recentré à 360 degrés au niveau du plexus solaire et on multiplie par 5 son champ vibratoire. Donc, qui que ce soit qui aurait des problèmes d'équilibre, ça peut être un AVC, sclérose en plaques, maladie de Charcot, problème aérien interne, des vertiges, dès que tu as un problème d'équilibre, grâce à ce produit, tu remets toutes les personnes dans l'état d'équilibre parce que tu ressens le corps énergétique. On commence en patch, position, tu enlèves la jambe droite, là. Là, déjà là, tu ne tires pas. À peine que j'appuie, c'est pas sûr. Okay. Maintenant, on va faire un test de souplesse. Est-ce que tu es souple? On va voir. Tu vas nous tourner le dos cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Et il y a une technique. On va ce qu'on appelle le test de l'ange. On remonte les bras à mi-hauteur au niveau des épaules. On tourne les mains pour les pouces vers le sol. Et tout doucement, je ramène les bras. Tu restes droit dans le dos. Tu me dis stop quand ça commence. Voilà. Déjà là, ça commence à faire mal. Et donc, en effet, tu n'es pas souple du tout. Non. Maintenant, on reprend le patch, qu'on met sur la colonne vertébrale. Donc ça, c'est bien stratégique. Là, c'est bien à ce niveau-là. C'est au niveau de la colonne vertébrale qu'il faut poser le patch. Même position. On prend les bras. Et tout doucement, vous ramenez les bras dans le dos. Voilà, terminé. C'est-à-dire que instantanément, on a dénoué la chaîne musculaire. Et c'est pour cette raison que le mal de dos s'atténue très rapidement. Lorsque c'est fibreux, lorsque c'est musculaire, ça s'atténue très rapidement. Les tensions en général diminuent entre le premier quart d'heure et 48 heures dans 80% des cas. Si c'est osseux, là c'est autre chose. Ça va mettre plus de temps, il faudra aller voir un ostéopathe. Hein. Mais tout ce qui est musculaire, ça s'atténue très rapidement parce qu'on dénoue instantanément, comme tu as pu le voir, la chaîne musculaire. Donc, tu as regagné toute la souplesse que tu avais à la source quand tu étais jeune. Hein? C'est ça. Voilà, sans tension. Ça, c'est très impressionnant. Maintenant, on va faire un autre test. C'est également un test d'équilibre associé à un test de force. Donc, comme ceci. Voilà. Point serré. Tu mets l'autre main sur le point. Voilà, comme ça, ou comme tu veux, peu importe. Et tu vas moi, j'ai poussé vers le haut. Et toi, tu résistes à ma pression, d'accord? Tu mets de la force en poussant vers le bas. Et là, si j'appuie, hop, toi, la pointe des pieds se lève, tu pars en arrière. Et là, n'importe où, toi, je le mets sur le plexus solaire, n'importe où, sur toi. Et là, je vais prendre les deux mains, je mets en dessous, tu résistes. Et là, je peux plus. Les pieds ne collent plus. Parce que tu es ancré au sol. J'ai des habits, hein. Mais tu vois, on recommence encore pour bien montrer. Et là, à peine que j'appuie, je résiste. Voilà.
tu es obligé de te rattraper, tu pars en arrière. Donc ça veut bien dire, on prouve bien qu'au contact de ce produit, instantanément, tout ce corps énergétique qui est décentré de ce corps physique se recentre à 360 degrés. On aligne tous les chakras et on multiplie par 5 son champ vibratoire. Et là, tu es ancré, tu es enraciné. Et de ce fait, tu peux être également protégé de la pollution électromagnétique. Donc on peut faire un autre test avec un téléphone portable avec toi. Donne-le-moi. Allez, salut. Tu es droitière, hein, tu m'as dit. Oui, droitière. Tends le bras droit comme ceci, point serré. Résiste à la pression. Je prends un doigt. Tu résistes et mets de la force. Résiste à la pression. Okay. Tu sens qu'il y a de la force. Hein. Maintenant, tu mets le téléphone à la main gauche. Même position. Là, je prends le petit doigt. Tu résistes. Il n'y a plus rien. Plus aucune force. Parce que c'est une pollution électromagnétique. Donc déjà, le corps énergétique, à l'origine, il n'est pas centré. Mais en plus, avec cette pollution électromagnétique, ça te vide énergétiquement. Maintenant, on prend le patch, on le met tout sur toi, même position. Tu gardes le téléphone, tu reprends la position, là je reprends deux doigts cette fois-ci, je n'aime pas le petit doigt, et là tu résistes, et là tu as de la force. J'enlève, prends le petit doigt, sans différence. C'est impressionnant. C'est-à-dire que, voilà, au contact du patch, nous sommes tous, vous êtes tous protégés de la pollution, énergétiquement, protégés de la pollution électromagnétique. Et ça, c'est énorme, et c'est pour cette raison que les gens redorment, retrouvent un sommeil réparateur, grâce à ça, parce que vous êtes protégés dans votre sommeil de toute la pollution, de la Wi-Fi, des téléphones portables, antennes relais, qui nous entourent au quotidien aujourd'hui, et dont cette pollution est de plus en plus dense, surtout avec la 5G.